Vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goûts forts. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite. La période des vacances est une période considérée comme propice pour se ressourcer en prenant beaucoup de repos et un peu de recul par rapport aux différentes activités que vous avez menées pendant une année. Après 10 mois de production, le magazine Carrière se met également en mode vacances en vous proposant pendant ces 2 mois, 2 sessions de best-of qui reviendront sur les meilleurs moments, les meilleurs profils diffusés dans votre magazine durant cette année. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous. Merci encore de nous renouveler votre confiance. Le magazine Carrière, le premier best-of de la saison, voici son sommaire. Au sommaire de Carrière ce soir, redécouvrez le meilleur des passages de l'Institut de formation au métier de l'immobilier et du cocon de Nike dans la rubrique Entreprendre. En Success Story, Françoise Mbango et Tonnet et Grâce Deka se dévoilent et évoquent leurs parcours inspirants. Enfin, dans le coaching du mois, apprenez à déléguer efficacement sans perdre le contrôle avec Roland Quemen. Entreprendre, c'est proposer une solution innovante pour l'amélioration du quotidien des Camerounais, mais c'est surtout créer des richesses pour contribuer au développement et à l'essor économique du pays. Ils sont nombreux, ces jeunes qui se lancent dans cette aventure, quoique périlleuse, et qui réussissent contre vents et marées avoir une carrière intéressante, surtout quand on sait que moins de 5% des entreprises camerounaises réussissent à survivre au bout de 5 ans. Pour le best-of de ce mois de carrière, nous vous proposons de revenir sur 2 initiatives pertinentes. D'abord, l'Institut supérieur de formation aux professions immobilières et ensuite le cocon de Nike qui, dans ce domaine de l'immobilier, propose des solutions intéressantes. Best-of. Bonjour, je suis Alain Mougang, promoteur de l'IFPI Sup et de l'IFPI. Je suis également promoteur de Tantimo SAS. Je souhaite la bienvenue aux équipes de carrière et je vous invite à découvrir, n'est-ce pas, les dates de notre entreprise. Vous êtes ici à l'accueil, qui est en cours d'aménagement et d'équipement. Lui, c'est M. Chunan, il est responsable, n'est-ce pas, des programmes à Tantimo. Là en face, M. Wabo, lui, s'occupe plutôt de l'APIC, l'association des promoteurs immobiliers du monde. Les bureaux, c'est là. Donc, voilà où je passe le clair de mon temps pour réfléchir sur les questions immobilières qui interpellent le Cameroun pour les années futures. En 2001, avec mes économies, je cherche à acheter un terrain du côté de Messassi. Et je tombe sur une affaire foireuse qui m'amène à me plaindre quelque part dans un restaurant un midi. Et je tombe sur une dame qui me dit que son mari a des terrains à vendre du côté d'Odja.
Et son mari revient et m'amène à Odia. C'est comme ça que j'achète chez lui. Et plus tard, il me dit, oh, je n'ai pas beaucoup de chance. La maïture aspire à prendre le terrain qu'il m'a proposé. Il dit, ou tout ou rien. Et comme je prenais 500 mètres carrés, c'était 3 hectares, la maïture n'entendait pas laisser 500 mètres carrés. C'est comme ça qu'il me propose une parcelle un peu plus loin, mais laquelle parcelle n'était pas immatriculée, mais dont les procédures étaient entamées. Il me demande si je peux suivre pour lui ces procédures. On est en 2001, pendant que je suis à GMS. Donc, pendant mes heures perdues, j'ai fait donc ce suivi-là pour lui. C'est comme ça qu'en 2003, quand j'ai démissionné de GMS, je me dis, je peux continuer dans ce que j'ai fait avec le papa là. Mais alors, il faut le faire de façon correcte. Donc, je demande à mon frère, qui est clerc de notaire à Douala à l'époque, de m'envoyer tous les documents qui tournent autour de l'immobilier. Je lis, je me rends compte qu'il faut un agrément pour être promoteur immobilier, pour être agent immobilier. J'écris au ministère de la ville de l'époque, où on me répond en me demandant ce que je veux. Je leur explique. Oh, malheureusement, il n'y avait pas de clé d'application. C'est comme ça que le ministère me coopte dans le groupe d'experts qui vont rédiger les textes sur l'urbanisme et l'habitat. J'ai créé l'école IFPSUP en 2012. Le problème qui se posait, c'est que le gouvernement avait le programme de 10 000 logements qui allaient se vendre en copropriété. Nous avons compris tout de suite que pour que ce programme réussisse, il fallait que nous formions des syndics de copropriété capables de gérer ces copropriétés. On a mis sur le marché camerounais des syndics. Fort heureusement, ils nous font honneur. Ce sont eux qui gèrent Yaoundé, Aoulembe et Bangabakoko à Douala. C'est nos produits. Donc, par la suite, on a formé des promoteurs immobiliers, des agents immobiliers, jusqu'en 2020, où nous décidons de penser aux plus jeunes pour préparer la relève. Nous sollicitons, n'est-ce pas, du ministère de l'enseignement supérieur, qu'on valide des programmes de BTS, profession immobilière, que nous introduisons, donc avec notre partenaire français, le DIMSI. Donc, la commission siège et valide le BTS, profession immobilière. C'est comme ça que nous ouvrons en 2020 une filière BTS profession immobilière que nous conduisons jusqu'en 2022 où nous avons 100%, n'est-ce pas, aux examens BTS pour notre première promotion. Il faut dire que le secteur immobilier camerounais, celui que j'ai embrassé, n'a pas été régulé dès le départ. Mais depuis 2007, tous les décrets d'application ont été pris. En ce qui concerne les professions d'agent immobilier, en ce qui concerne les professions de promoteur immobilier, et en ce qui concerne les professions de syndic des copropriétés depuis le mois de l'année 2010-2011, nous avons mieux. Le secteur est un secteur en friche parce qu'il y a plusieurs possibilités qui sont offertes par la loi qui ne sont pas encore exploitées au Cameroun. La vente en état futur d'achèvement, la vente à terme. Et c'est ça qui fait la promotion immobilière, la vente sur plan. On ne peut pas, en promotion immobilière, produire avec son argent. On produit avec l'argent des clients, l'argent de la banque. Et on rembourse avec l'argent du client. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, le secteur est bien régulé. Il n'attend que des acteurs compétents pour jouer effectivement leur rôle. J'ai l'impression que les gens ne savent même pas la portée de l'immobilier au Cameroun. Les gens ont l'impression que si on a de l'argent pour faire l'immobilier, justement si on a de l'argent pour faire l'immobilier, mais combien de personnes ont de l'argent pour faire l'immobilier? L'immobilier n'est pas fait pour les gens qui ont l'argent. C'est les gens qui ont la compétence, les gens qui ont le mindset. Parce que c'est plus consultif, c'est plus une démarche technique, c'est plus une démarche de compétence que l'argent. L'argent vient au dernier niveau quand on fait l'immobilier. L'immobilier est à la base de tous les secteurs. Il faut le sol, il faut des espaces bâtis, aménagés pour répondre aux besoins de ces secteurs-là. Donc, embrasser l'immobilier, même pour les 20 prochaines années, c'est choisir le secteur le plus compétitif et le plus rentable. Bonjour à l'équipe de carrière, je suis Leslie Tchatchong, la promotrice du Cocon de Neki.
Allez, venez, je vous fais visiter la structure. Alors tout d'abord, on va commencer par notre service d'accueil que je vous présente tout de suite. Bonjour. Bonjour. Alors ici, vous avez mademoiselle Ingrid Pao qui est chargée de recevoir la clientèle et d'encoder les cartes. Et puis juste à côté d'elle, vous avez Jacques Hawking, chargé de la logistique et puis de l'entretien de l'immeuble. Alors voilà, le Coco de Nelki, c'est un ensemble de chambres, appartements et studios meublés que nous proposons à notre aimable clientèle pour passer un séjour agréable et paisible dans la ville de Douala. Pour la petite anecdote, j'avais mon papa qui était de passage à Douala. Et du coup, à la maison, on n'a pas trop de chambres. Donc du coup, je me suis dit, bon, papa, c'est les fêtes, on est nombreux, je vais te chercher un meublé. J'ai fouillé les meubles, j'en trouvais, mais qui étaient pleins. Tout était full. Donc du coup, je me suis dit, ah ben tiens, ça serait un secteur justement à exploiter. Donc du coup, je me suis dit, bon, je me lance. Et je pense que je ne me suis pas loupée. Alors voilà, nous y sommes. Vous avez un exemple d'une de nos suites. Ici, c'est une chambre premium qu'on met à la disposition de nos hôtes qui viennent dans la ville de Douala. Donc on a ici Christine qui s'occupe de tout ce qui est entretien. Parce que vraiment, si on a un point d'honneur sur l'entretien, vraiment c'est un des atouts les plus importants de cet établissement. Faire en sorte que nos clients puissent être à l'aise, paisibles et surtout dans le calme. Ben, le cocon, déjà, ça porte son nom. Hein. Quand on parle de cocon, on parle de lieux paisibles, de petits cocons, quoi. La petite maison où on est tranquille, on est à l'aise, etc. Et voilà, ici vous avez l'exemple d'une de nos chambres simples que nous proposons aussi. Donc la structure, elle a été construite il y a de cela un an, plus exactement 13 mois, pour pouvoir répondre à un besoin accru justement de notre clientèle qui avait besoin d'un cadre paisible et surtout à l'abri des regards. C'est vrai que là, c'était essentiellement sous fonds propres. J'avais un projet que je voulais faire. Je ne savais pas quel projet je voulais faire. J'avais beaucoup d'économies avec mon époux aussi, bien sûr, avec l'appui de mon époux. Donc du coup, c'est ça qui nous a permis de mettre sur pied cette structure, quoi. Alors ici, vous avez un de nos appartements qu'on propose avec deux chambres aménagées, avec douche indépendante et une douche visiteur. Vous avez un petit coin salon confortable et une cuisine américaine qui donne sur le salon, sur le séjour. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on est à l'aise. Ça conviendrait aussi bien à une famille qui viendrait par exemple pour se détendre dans la ville de Douala. Allez, vous me suivez? Je vous emmène à notre bar à cognac et cigares. Et voilà, au sein de la résidence, nous avons au rez-de-chaussée une cave à cognac et cigares. Donc on a Oscar, notre responsable de la cave. Donc on propose ici des cognacs, des cigares, du champagne pour les femmes par exemple. Donc ici c'est vraiment un coin cosy et détente qui permettent à nos clients de pouvoir venir prendre un petit coup. Si je pouvais donner un petit conseil à nos jeunes, en fait, c'est le travail. Voilà, le travail. Parce que sans le travail, on n'est rien. C'est vrai que je sais que la conjoncture, on va dire, économique actuelle ne nous permet pas de gravir certaines étapes parfois. Mais la persévérance, surtout la persévérance. Donc ne jamais relâcher, toujours persévérer. Et puis seul le travail paye. Africa, land of all mankind. I am you, me, him, them. Proud to create, to unite, to succeed. I am Africa. A mixture of life, languages, colors, flavors. I am free, inspired, creator, sensual, and vibrant.
I Am Africa of New Success Stories. Castel Beer, the taste of success. Le sport et la culture sont des ferments de l'unité nationale au Cameroun. Et les acteurs majeurs de ces différentes disciplines de la vie nationale sont très souvent cités en exemple, notamment par le chef de l'État lors de ses différentes adresses à la nation. Au cours de cette saison, Carrière vous a amené à la rencontre des acteurs tant dans la culture et le sport qui font du vert ou jaune une nation privilégiée, un pays de vainqueurs. Pour le premier best-of de la saison, je vous propose de redécouvrir les portraits de deux actrices importantes. D'abord, la championne olympique et par ailleurs détentrice du record olympique du triple saut féminin, Françoise Mbango-Étonnet, qui aujourd'hui, après les pistes, encadre la jeunesse camerounaise à travers l'Institut supérieur des sports et de l'éducation physique. Et en deuxième position, la grande diva de la musique camerounaise, Grace Deka, qui au-delà de la scène est aujourd'hui aux côtés de la jeune fille en permettant à certaines de recevoir un encadrement, notamment pour celles qui ont des grossesses indésirées. Deux portraits que je vous propose de redécouvrir dans le best-of de Carrière. Dans l'histoire du sport au Cameroun, toutes catégories confondues, son nom figure en lettres d'or au panthéon des gloires immortelles du pays. Après une carrière auréolée de succès sur les pistes d'athlétisme et les sautoirs du monde, c'est dans les amphis et les salles de cours que continue de s'écrire sa légende. C'est un modèle qui s'assume et veut se positionner comme une référence pour le Cameroun, l'Afrique et le monde. Je l'assume et je veux l'être. Je veux bien faire. Quand vous dites modèle, j'aime même toujours cette phrase où le chef de l'État disait « Faites comme Françoise Mbango ». Le discours du 11 février 2005. Double médaillé d'or olympique, record woman olympique du triple saut féminin, aujourd'hui promotrice du tout premier établissement privé supérieur de formation des cadres d'éducation physique et sportive. Rencontre avec Françoise Mbango-Étonnet, la championne qui s'est donnée pour mission de rester un modèle pour la jeunesse camerounaise. Dans l'imagerie populaire, son nom est à jamais rattaché à ses exploits sur les sautoirs du monde. C'est en décrochant l'or olympique à deux reprises avec à la clé un record olympique et une deuxième meilleure performance de tous les temps que Françoise Mbango-Étonnet a inscrit son nom à l'encre indélébile dans la mémoire des Camerounais à qui elle a fait aimer l'athlétisme. Des performances historiques que la championne a bâties avec patience, ardeur au travail et une discipline de fer. Des valeurs qu'elle a cultivées avec le temps. Pour la rencontrer, c'est à l'Institut supérieur des sports et de l'éducation physique qui porte son nom que la championne nous a donné rendez-vous. C'est à Bertois, dans la région de l'Est, que débute la vie de Françoise. C'est là que grandit la petite fille dans une famille où elle occupe la place d'aînée des filles. Un enfant loin d'être timide. Je commence dans la région de l'Est, à Bertois, à l'école publique de Tigaza, où j'ai fait mon école primaire et même la maternelle, toujours là-bas. Après, je suis allée à l'école adventiste de Bertois. Entrée en sixième, je l'ai au collège Terenstra de Bertois, où je fais sixième et cinquième. Donc après ça, on a affecté mon papa ici à Yaoundé. Voilà, donc après nous sommes donc venus à Yaoundé où j'ai commencé la classe de 4e au collège de la retraite. J'ai commencé justement à Bertois avec les cross-country pendant les jeux scolaires et puis le basketball. Quand j'étais déjà au collège, je faisais le basketball. Mais à l'école primaire, c'était beaucoup plus l'athlétisme. Surtout, j'aimais trop le challenge avec les garçons. Peut-être parce que j'étais parmi les filles, j'étais vraiment devant. Donc avec les garçons, j'avais vraiment du challenge, j'avais de la compétition. Voilà.
pour Françoise, c'est le sport. D'ailleurs, elle se classe parmi les élèves moyens en classe. Juste de quoi assurer une place dans la classe supérieure. Si je n'avais pas été sportive, qu'est-ce que j'aurais été? Vraiment, ça c'est difficile à répondre. C'est vraiment difficile. C'est pas comme pour dire qu'au début, je savais qu'il devait être sportive, non. Je sais que dans ma vie, depuis plus petite, j'aimais les défis, les challenges, j'aimais être meilleure, j'aimais m'affronter à ce que je pense être difficile ou bien impossible, affronter vraiment, réaliser. Mais maintenant, je ne sais pas quel métier, mais certainement un métier qui renvoie à partager, à apporter quelque chose pour les autres. Direction le stade Omnisports Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est ici, dans la cuvette de Mfandena, que s'écrivent les premières lettres de la fabuleuse histoire de la championne olympique du triple saut féminin. Repérée par l'entraîneur de Sonel de Yaoundé, elle intègre cette équipe et dispute les compétitions nationales. Pourtant, ce n'est pas en triple saut que la jeune dame s'illustre en premier. Cette discipline, elle la découvre par un concours de circonstances. La transition s'est passée lors des compétitions interclubs à Douala. Donc, je représentais l'équipe de Sonel Yaoundé, à l'époque Edeo, c'était Sonel. Vers la fin de la matinée, nous étions menés de quelques points par l'équipe de Douala. Et le coach, le directeur technique national, qui était notre coach, M. Bitanga Emmanuel, par son âme, nous m'avons demandé de faire du triple saut, question de pouvoir donner plus de points et que mon équipe puisse gagner. Alors c'est ma camarade aujourd'hui, Akena Solange. Akena Solange qui ce jour-là m'a montré comment est-ce qu'on fait le triple saut. Alors j'ai découvert le triple saut, je ne connaissais même pas le vocabulaire triple saut, je n'avais jamais entendu ce mot. Donc c'est ce jour-là, elle m'a montré quelques minutes comment est-ce qu'on fait le triple saut, quelle est la technique et tout. Et 10-15 minutes après, on s'est mis à compétir ensemble. Donc, c'est la première et la dernière fois que j'ai perdu au triple saut ici au Cameroun. Et c'est donc en triple saut que Françoise va faire parler d'elle sur le continent africain. Ça commence dès les championnats d'Afrique de 1995 organisés au Cameroun. Championnat d'Afrique d'athlétisme qui avait lieu ici là en 1995. Voilà, je fais ma première médaille, disons, internationale. J'étais troisième, j'ai eu la médaille de bronze. Juste après, donc, j'ai été sélectionné pour les Jeux de la Francophonie qui avaient lieu à Madagascar pour cette année-là. Et je suis donc, c'était à Madagascar, justement. Donc, j'ai été deuxième. Et avec un record d'Afrique, mon premier record d'Afrique, voilà comment j'obtiens donc la bourse pour intégrer dans le centre de formation d'athlétisme au Sénégal. Une discipline de fer qui ne tarde pas à donner des fruits. Françoise domine les sautoirs du continent. Son palmarès s'étoffe. Deuxième aux Jeux de la Francophonie à Antananarivo en 97. Au championnat d'Afrique à Dakar en 98 ainsi qu'aux Jeux du Commonwealth la même année, elle termine le 20e siècle en or, décrochant la première place aux Jeux africains de Johannesburg en 1999. Le troisième millénaire débute sur une note mitigée. Après une troisième place au championnat d'Afrique à Alger, Françoise, qui participe à ses premiers Jeux olympiques, termine à la 10e place. C'est l'année du sacre du Cameroun en football avec la génération Eto'o, Mboma, Njitap et Kameni. De quoi inspirer la championne pour ses performances à venir. Plus que jamais outillée donc, Françoise Mbango rafle l'or au championnat d'Afrique à Rades en saut en longueur et en triple saut. Une consécration pour celle qui, un an plus tôt, devenait également vice-championne du monde du triple saut à Edmonton au Canada. Ma première médaille, Edmonton. C'était extraordinaire. Moi, j'étais extraordinairement surprise. Très, très. Pour moi, c'était plus qu'une médaille d'or. Pourtant, c'était une médaille d'argent. Ce jour-là, ma première médaille mondiale. Ce que peut-être je vais partager avec vous et ceux qui nous écoutent, c'est
à ce moment précis d'où m'est venue l'inspiration. Alors l'inspiration à ce moment précis m'est venue de la Sénégalaise Ami Baké, qui elle venait de gagner la médaille d'or aux 400 mètres, la veille. Alors je me suis dit, ah tiens. Donc on peut être africain et venir gagner championnat du monde dans cette piste. Ça m'a vraiment, ça a brisé les dernières barrières. Et je me suis dit, donne-toi à fond, c'est tout. Fais ce que tu sais faire. Fais tout seulement ce que tu sais faire. Ça peut arriver. Une Africaine peut être championne du monde. Une Africaine peut gagner dans une discipline qui, on pense, réservée aux autres. Ce jour-là, en finale, vous savez, on a 6 essais. On a droit à 6 essais. Jusqu'au 5e essai, j'étais 4e. D'ailleurs, il restait un essai pour gagner. Alors, je me suis dit, François, il te reste un essai. Rien n'est perdu. Ce seul essai qui te reste peut tout changer. Et c'est maintenant ou jamais. Donc, je me rappelle très bien, je me suis allongé sur le gazon, j'ai fermé les yeux, j'ai fait le vide pendant au moins 3 minutes. Et quand je me suis levé, j'ai rouvert les yeux, j'ai chaussé mes pointes, c'était une autre, c'était une lionne orange, voilà. Et le dernier saut, j'ai repris la médaille d'argent. En plus, je m'attendais à une médaille de bronze, moi on me dit non. Je vois le chrono, je vois le tableau, je vois que voilà, j'ai réalisé une performance qui me classe au deuxième rang. Après une deuxième médaille d'argent au championnat du monde de Paris en 2003, la triple sauteuse camerounaise est fin prête pour ses deuxièmes Jeux olympiques. 2004, Jeux olympiques d'Athènes. Le Cameroun, champion olympique en football, n'est pas présent sur les starting blocks dans cette compétition. Vice-championne du monde en titre, Françoise Mbango-Étonnet représente en tout point la seule chance de médaille pour le Cameroun. J'avoue que j'avais beaucoup travaillé cette année pour préparer les Jeux olympiques. J'étais vraiment entraîné et dès le premier essai, j'ai commencé à me rendre compte que je vais réaliser une performance extraordinaire. Et quand c'est comme ça, je reste vraiment concentré sur la compétition, sur ce que j'ai à faire, sur mon job, jusqu'à ce que la compétition soit terminée. Donc, mais après avoir vu le tableau, championne olympique. Bon, ça fait fondre en larmes. Sur le coup, c'est une très grosse satisfaction. Une très grosse satisfaction, un soulagement. Les émotions qui vous amènent à fondre en larmes, c'est généralement c'est l'hymne national sur le podium. C'est là où vous sentez le poids d'une nation. Vous vous rendrez compte de ce que vous venez de réaliser. Vous imaginez déjà seulement entendre, normal, quand vous entendez l'hymne national du Cameroun, c'est une chose. Mais quand vous êtes encore dans un grand stade où on demande à tout le monde de se lever pour respecter l'hymne national du Cameroun, alors pour une fois, tu te dis, mon Dieu, nous sommes aux Jeux olympiques, c'est l'hymne national du Cameroun. C'est à ce moment, alors là, on s'est dit, ok, on l'a fait, on l'a réalisé, c'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et dès ce moment-là, pendant des jours, des mois, des années, chaque jour un peu plus, on se rend compte ô combien on a fait quelque chose de grand. L'exploit est grandiose. Une fois encore, l'hymne national du Cameroun retentit au plus grand rassemblement sportif planétaire. Sur les murs du grand gymnase de son institut, Françoise garde, accrochée et bien en vue, des photos de la réception qui s'ensuit au Palais de l'Unité par le chef de l'État et son épouse. Des souvenirs uniques. Ça, c'est ma première médaille d'or olympique en 2004. En réalité, quand on se place pour prendre les photos, moi je suis placée un peu derrière le chef de l'État. C'est le ministre du Sport qui était à côté. Alors le chef de l'État s'est retourné et dit, mais Madame Bango, venez vous placer à côté de moi avec votre belle médaille. Et voilà comment je me place à côté et il demande, montre à la première dame, à son épouse, vous voyez la belle médaille. Donc, c'est ce qu'il était en train de dire. C'est confidence pour confidence, quoi. Je vous assure, ce sont des gestes qui, j'ai envie de dire, qui valent de l'or. Et à la fin, il me dit, ramenez-nous d'autres médailles. Je sais que ce n'est pas facile, mais ramenez-nous d'autres médailles. Et j'ai répondu, je le ferai.
E je l'ai fait. No primeiro de seis saltos, Etoné resolveu colocar pressão nas adversárias. J'étais au stade avec ma petite sœur, qui était mon coach, ce moment. Et quand je réalise cette performance, moi-même, je suis extrêmement surprise. Je ne m'attendais pas au record olympique. Je m'attendais à une grosse performance, mais pas au record olympique. Soulagée de l'avoir réitéré, parce que je me suis dit, ah là, je l'ai fait. On m'a dit, Françoise, ramenez-nous d'autres médailles. Le chef m'a dit, voilà, je l'ai réalisé. J'ai dû braver plus de 40-50 kilos après ma maternité pour revenir à ma forme et même me surpasser. Donc j'ai réalisé ce qu'on pouvait penser d'impossible. J'ai défendu le titre et je me suis dit, François, la médaille d'or reste au Cameroun. Mission accomplie. Françoise peut être fière d'elle. Elle a respecté la parole donnée au premier sportif camerounais. La médaille d'or olympique du triple saut féminin reste au pays. En prime, elle y ajoute le record olympique de la discipline avec un saut à 15,39 m. Suffisant pour raccrocher les pointes avec le sentiment de devoir accompli. Il n'y a rien au-dessus du médaille d'or olympique en ce qui concerne mon domaine. Il n'y a rien au-dessus, je ne sais pas, il y a même déjà réalisé le record olympique. Tout ce que je pouvais faire, c'est réitérer. Donc, j'ai dû raccrocher les pointes après avoir perdu celle qui m'a donné la vie, parce que ça m'a un peu fondu. Et je me suis dit, bon, de toutes les façons, j'ai tout donné au Cameroun. et 25 août 2022. L'Institut supérieur des sports et de l'éducation physique Françoise Mbango fête sa première promotion au BTS. Placée sous le haut parrainage du président de la République, la cérémonie est une sorte de consécration pour ce jeune institut porté sur les fonts baptismaux par la double médaillée d'or olympique en 2020. Huit ans après avoir accroché ses pointes, Françoise a adossé un nouveau costume. Celui de manager et promotrice d'un établissement académique. C'est d'autres raisons hein, qui m'ont amené là. La première, c'est que je me suis rendu compte que dans notre politique sportive, il y avait un vide, un petit manquement, dans le sens que le sport était toujours pris tout simplement comme une activité pratique et non une activité scientifique. Pourquoi je le dis? Parce qu'on se rend compte de beaucoup de lacunes au niveau de nos activités sportives. Je parle par exemple des fédérations sportives ou alors de l'accompagnement des sportifs de haut niveau. On se rend toujours compte qu'il y a les mêmes soucis chaque année. Et je me suis dit que c'est parce que les gens ne savent pas comment accompagner les sportifs de haut niveau ou alors comment gérer une structure ou bien une organisation sportive. Parce qu'il n'y a pas la formation. La deuxième, c'est parce que je me suis aussi rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'exercer dans les métiers du sport. D'autres qui veulent être des sportifs, mais d'autres qui veulent être dans l'encadrement du sport. Et certains même dans l'administration du sport. Parce qu'ils aiment tellement le sport, mais physiquement, ils n'ont pas eu ce potentiel, ces qualités pour être des grands sportifs. Mais ils veulent rester dans le domaine. Mais ils n'ont pas beaucoup de possibilités parce qu'il n'y a pas des structures sportives privées qui forment dans les métiers de sport. La troisième, c'était vraiment peut-être la première, je vais être conseillé par là, vraiment apporter l'expérience que j'ai engrangée durant toute ma carrière au service du sport camerounais. Donc je me suis retrouvé donc à penser à ces structures. Pour y parvenir, la championne a pu compter sur le soutien des autorités qui lui ont, pour ainsi dire, facilité la tâche. J'ai été surprise quand je me suis retrouvée dans cette... quand j'ai réalisé que nous sommes vraiment pionniers. Et je pense que c'est lors d'une séance de travail avec le ministre d'État, le professeur Jacques Famin Dongo et son équipe, c'est là où je réalise qu'en fait, nous sommes pionniers dans le domaine. Et lui aussi, il se surprend, il dit, mais quand on pense la place qu'a le sport dans notre pays, comment on n'y a pas pensé? Il aurait fallu une médaille d'or olympique pour y penser. Moi, je me suis dit, alors Françoise,
effectivement, tu ne t'étais pas trompé, tu as vu juste. Parce que si nous sommes pionniers, ça veut dire qu'il n'y avait pas une formation vraiment accentuée ou alors complète. Il n'y avait pas autant de gens formés pour pouvoir justement travailler dans ce domaine. Et aujourd'hui, je suis fier et je le serai beaucoup plus quand je commencerai à voir les fruits de cette formation. Les fruits qui ne se limitent pas qu'à au 100% au BTS, non. Mais les fruits qui vont aller jusqu'au changement sur le terrain. Quand on dira aujourd'hui dans nos fédérations, dans nos associations sportives, dans nos établissements scolaires, on a des encadreurs formés. Aujourd'hui, on sent que le sport dans les établissements scolaires, il y a de la formation. Vous voyez aujourd'hui, pendant les vacances, ce sont les étudiants qui viennent d'avoir le BTS qui sont en train d'encadrer ces jeunes pour les stages de vacances, pour l'animation. Donc derrière, quand les parents reviennent, me disent vraiment, madame la fondatrice, on espère que ça ne va pas s'arrêter que pendant les vacances, mais que pendant les classes, ça va continuer, vous voyez. Tous les parents qui trouvent déjà en ça quelque chose de positif. Donc c'est bien une victoire. Je dis merci à tout le monde, même ceux qui ne sont plus aujourd'hui à l'Institut, mais qui ont contribué à l'ouverture et à la création de cet institut. Ils sont nombreux. Je suis peut-être meneur, mais c'est eux qui ont fait le gros du travail. Notre vision, c'est quoi ? C'est d'accompagner l'État dans ce qui est déjà pour améliorer. Donc, nous nous sommes bien entendu inspirés de ce qui est pour améliorer par rapport aux manquements, aux besoins. Voilà pourquoi est-ce que nous avons une vision un peu plus développée. Et notre politique sportive en avait grandement besoin. Et mon souhait demain, c'est que vraiment l'État m'accorde un si grand espace pour pouvoir vraiment donner la possibilité aux enfants de pratiquer vraiment le sport à l'extérieur, les sports d'extérieur. Un régal, un velours qui vous transporte et adoucit les âmes les plus insensibles. Ces textes, une ode constante à l'amour, une invitation à vivre l'amour sous toutes ses formes, quel que soit son âge. Son nom, un patronyme à inscrire au patrimoine musical camerounais, le fruit de plusieurs générations de précurseurs et d'artistes de renom ayant porté si haut le nom et le label Makossa. Calme, douce, aussi discrète que pudique, aussi belle que rebelle, tout simplement une diva. La diva de la musique camerounaise. Rencontre avec Grace Deka, une artiste qui traverse les âges et séduit toutes les générations. Grace Deka, Madame Nana, la mère des enfants, la fille du Seigneur, la femme du Seigneur. Celle qui est au service de Dieu, service de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et l'artiste que je suis. Douala, carrefour armé de l'air, en plein cœur du quartier Bonaprison. C'est ici que nous avons rendez-vous avec l'une des plus belles voix de la chanson camerounaise. Une diva dans tous les sens du terme. Pour se raconter et évoquer son parcours, Grace Deka exige un endroit calme, à l'abri du public. Calme, discrétion, des mots qui collent si bien à la peau de cet artiste qui réussit à travers sa musique à fédérer toutes les générations de mélomanes camerounais. Une artiste dont le parcours était, comme qui dirait, écrit d'avance pour celle qui est l'arrière-petite-fille de Lobé Rameau, précurseur du Makossa, mais surtout nièce de la légende de la musique camerounaise, Eboa Lotine.
une enfance baignée dans la musique, entourée de parents aimants. Voilà le quotidien de celle que ses parents ont nommée Ndoma Grace Deka, à sa naissance le 16 septembre 1966 à Douala. Sixième enfant dans une fratrie de 11, Grace, la petite fille Kaline, est particulièrement attachée à son papa, expert automobile. Une vraie daddy's girl, entendez, une fille à papa. Yes, I was daddy's girl, yes. That's the truth, I was. Mes parents m'ont donné quand même une éducation, pas les moindres. Et des valeurs qu'on m'a inculquées, je m'en sers encore aujourd'hui. Côté éducation, pas de droit à l'erreur. Avec une maman pédagogue, Grace se doit d'être studieuse et assidue à l'école. Après l'obtention de son baccalauréat à Douala, elle s'envole pour la France où elle poursuit ses études jusqu'à décrocher un DEA, diplôme d'études approfondies en communication. Les mélomanes découvrent hébété, une voix frêle, au grain unique et au phrasé empreint de douceur, aux côtés de Ben Deka. Alors étudiante en France, Grace est surprise par son frère aîné en train de chantonner. Séduit par sa voix, il l'invite à poser pour un duo dans une chanson de son album à préparation. Un makossa mélancolique qui raconte le dialogue entre deux amoureux qui ont du mal à vivre leur séparation. Nasengi Bobé, un succès immédiat. Il vient, je me trouve en train de chanter. Il s'étonne et moi, je ne suis pas du tout confiante. J'ai aucune confiance en moi, même si j'apprécie. Tout de suite, je stoppe le maïto. Il me dit non, remets. C'est bien, moi, je t'ai entendu chanter, c'est bien. Je dis ah non. Il me dit, il insiste et puis je remets. Il me dit, mais bien sûr, on va aller en studio demain. Je cherchais même, on va faire le duo ensemble. Je ne vais même pas chercher quelque chose. On va le faire ensemble. Et puis le jour où on va donc faire le duo, je prends foi et puis je suis grippée. Et puis il me dit, mais t'inquiète pas, de toute façon, on ne va pas annuler le studio. On va y aller. Ce n'est pas ces chansons qui vendra, c'est juste pour que, pour faire remplissage, juste pour que les gens commencent à peine à te connaître. À sa gamme surprise, c'est cette chanson qui a vendu l'album. Après quelques titres en duo avec son frère, Grace est enfin prête à se lancer dans une carrière solo. Son premier album sort avec pour titre « Besoin d'amour ». Cinq titres, composés en grande partie par son grand frère Ben, qui traduisent un trait de caractère de la chanteuse. Grace est une romantique, une vraie fleur bleue. Je pense qu'en discutant avec mon frère, qui me connaissait, il a essayé d'écrire des chansons qui allaient un peu avec ma façon de lire ou de voir la vie. Je crois même que toutes les chansons de Besoin d'amour, c'est Ben qui a écrit cet album. Donc ça fallait qu'un album corresponde un peu à ce que je pouvais chanter, à ce que j'aimais chanter. Le succès est au rendez-vous.
Avec plus de 150 000 exemplaires vendus, Besoin d'amour installe la jeune chanteuse de 23 ans dans le giron très restreint des voix féminines qui comptent dans le Makossa camerounais. Je sais, pour moi, c'est un signe de reconnaissance, du travail bien fait, bien accompli. On te dit, waouh, ça marche, oui, les gens ont aimé. Donc oui, ça crée une tension positive. C'est ça le succès. Garder les pieds sur terre et la tête bien froide face à ce succès sans cesse grandissant. Voilà l'une des qualités de Grace Deka qu'on lui reconnaît. Aucun scandale dans la presse, pas d'esclandre sur la place publique, une vie extrêmement rangée et stable. Pourtant, elle ne cesse d'enchaîner les tubes et de déchaîner les passions. Son deuxième album, en duo avec son frère Ben Deka, en est une illustration parfaite. Parmi les tubes passés à la postérité dans cet opus, Aussi Dimbéa, l'une des plus belles déclarations d'amour de la chanson camerounaise. Une chanson reprise avec toujours autant de succès par la jeune Sandrine Nanga, plus de 25 ans après sa sortie en 1992. La suite, une succession de tubes, de prix nationaux et internationaux jusqu'au début des années 2000. Doyla Moulema en 1993. Appelle-moi princesse en 98. Donne-moi un peu d'amour en 2001, offre à la diva. 4 titres d'album féminin de l'année au Cameroun, 2 prix des meilleures ventes de l'année au Cameroun, le prix Bernard Fonlon pour la maturité artistique en 2001, le prix de l'excellence artistique aux African Ladies Awards en 2003, et la liste est loin d'être exhaustive. Les prix représentent la pensée de ceux qui apprécient le travail qui est fait. Et c'est une façon de te dire que vas-y, continue, va de l'avant, nous te suivons, parce que nous allons te noter. Tu as intérêt à travailler d'une certaine manière parce que nous allons te noter. Si tu dors sur tes lauriers croyant qu'on ne te regarde pas, ben sache qu'on te regarde. Grace Deka prend un break. Pendant 13 ans, l'artiste qui s'est depuis marié à Jean-Paul Nana Sandjo a donné naissance à plusieurs enfants et s'occupe de sa famille. Elle ne sort aucun album. Pourtant, personne dans le public camerounais ne l'a oublié et ses chansons continuent de tourner en boucle dans les radios et télévisions de la place, autant qu'elle continue de répondre à de nombreuses sollicitations de concerts et spectacles. J'ai fait 20 ans sans sortir d'album, ça ne s'est pas ressenti. Ça vous dit que mon public me porte dans le cœur et que je suis toujours avec eux, je n'ai jamais coupé. Ne pas sortir d'album ne signifie pas ne pas être sur la scène. Pour son retour au devant de la scène, la diva décide de marquer les esprits avec son album Mouna, un album gospel réalisé aux États-Unis par George Duke
avec les plus grands noms de la musique noire américaine, dont Jeffrey Osborne. C'est le seul album camerounais jusqu'à maintenant qui a été travaillé comme ça, qui a coûté d'ailleurs excessivement cher. Il n'y a qu'à regarder même les clips, c'est pas donné. Hein. Très peu le ferait. J'ai travaillé avec le regretté Feu Georges Duc. Il est parti, il n'est plus là. C'était une très très belle rencontre. C'est une très bonne, vraiment pour moi c'est une rencontre exceptionnelle, remplie d'onction et d'amour. J'ai travaillé avec lui et j'avais la possibilité de travailler avec tous les artistes américains que je voulais. Il était aimé et respecté. Cet album a 13 titres. George Duc a écrit de These Are My People, qui est d'ailleurs, on a même tourné le clip. Certains pensent que c'est les images d'un film qu'on a pris pour associer. Non, tout a été tourné en live. Tout a été tourné en live. Et les acteurs, tout le monde, c'était un travail exceptionnel. Je suis entourée et encadrée par l'esprit des vins. Et cette divinité qui est à moi voulait remercier son créateur. Il fallait absolument que je le fasse. Mais la meilleure façon de le faire, c'était par ma voix. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit cet album. Décembre 2022. 8 ans après Mouna, Grace Deka présente au public son nouvel opus, un EP de 2 titres baptisé Challenge. Ça, le challenge de l'enfant de Dieu que je suis, c'est le challenge de Grace Deka, c'est le challenge de la femme que je suis, c'est le challenge de tout ce que je représente. Alors, je parle de cette personne qui a plein à donner, cette main de l'amour. Mais qui s'adresse à l'autre en lui disant, quel que soit ce que je fais, tu ne m'aimeras pas. Quel que soit l'effort que je fournis pour te faire plaisir, tu ne sauras pas lire cet amour parce que tu ne m'aimes pas. Quel que soit ce que je fais, tu n'es pas capable de ressentir de l'amour pour moi. Mais moi, je te dis, je sais que tu es devenu mon premier ennemi. Et c'est pas un souci. Mon challenge à moi, c'est de t'aimer. Mon challenge à moi, c'est de t'aimer. C'est au-delà de mes forces, je t'aimerai. Une fois de plus, le succès est au rendez-vous avec un bonus. Loin des médias classiques, c'est désormais sur les réseaux sociaux que Challenge prend de l'ampleur. La vidéo est pastichée par des milliers de jeunes qui la transforment en un challenge sur TikTok, célèbre application de diffusion de musique. Moi, j'appelle ça de l'amour. Moi, je l'appelle ça un sentiment positif. Et moi, quand je vois ça, ça me fait du bien. Traverser les âges,
et inspirer toutes les générations en les faisant danser sur ses mélodies. Grace Deka poursuit inexorablement sa trajectoire. Ses chansons, des odes à l'amour et à l'union des cœurs. Ne lui demandez surtout pas de choisir quelle est sa chanson préférée. Voilà, ça c'est une question colle. C'est comme si on me demandait de choisir parmi mes enfants que je désigne celui que j'aime le plus. Aucune maman ne ferait ça. Aucune maman ne ferait ça. J'aime toutes mes chansons parce que chaque chanson a son histoire particulière. Chaque chanson a son vécu. Il y a une raison pour laquelle elle a été écrite, qu'elle ait connu beaucoup de succès ou pas. J'aime toutes mes chansons. La délicatesse des gestes révèle celle des sentiments. C'est un proverbe africain comme il en utilise à chaque fois pour conclure ses sessions de coaching dans le magazine Carrière. Roland Kouemène, une fois de plus, nous donne rendez-vous pour avoir et recevoir des conseils et astuces pour gérer au quotidien et de manière efficace notre carrière professionnelle. Et ce soir, pour le best-of, il nous dit comment déléguer efficacement tout en gardant la main. Coaching. Chers leaders, salut! Bienvenue à cette session de coaching. Comment déléguer efficacement sans perdre le contrôle? Pourquoi devons-nous déléguer? Quand devons-nous déléguer? À qui devons-nous déléguer? Surtout, comment devons-nous déléguer? Je suis sûr, chers leaders, voilà quelques questions que vous vous posez au quotidien dans ce processus de délégation. Déjà, c'est quoi la délégation? Déléguer est le fait de confier, de transmettre une mission, une autorité, un pouvoir à une autre personne. Dans une organisation où la délégation est menée correctement, les collaborateurs et les autres parties prenantes, ainsi que le top management, sont plus responsables, plus compétents, mais surtout beaucoup plus autonomes. Cependant, la délégation ne veut pas dire se débarrasser de certaines tâches et laisser les collaborateurs livrer à eux-mêmes. C'est pour ça qu'il faut procéder d'une manière réfléchie, méthodique et surtout s'assurer d'accompagner la personne dans son nouveau rôle, la soutenir, l'accompagner vers le succès et non vers l'échec. Car déléguer ne veut pas dire piéger le collaborateur. Comment déléguer efficacement en 6 étapes? En 1, il est important de définir les responsabilités et les tâches que nous voulons déléguer. En 2, il est important d'identifier le moment favorable, c'est-à-dire se rassurer que la personne à qui nous allons déléguer un ensemble de tâches ou une mission, cette personne est prête et que le vent est favorable. En 3, il faudra identifier la personne. Qui est-ce que nous voulons déléguer? Pourquoi nous voulons déléguer à cette personne? Pourquoi cette personne? Quelles sont ses compétences? Est-ce que c'est une délégation qui se fait sur la base de la confiance, la loyauté ou sur la base de la compétence, la connaissance? En 4, il faut définir le cadre général de cette délégation. C'est très important de baliser le chemin et que toutes les parties prenantes soient au courant. Pourquoi on a choisi Pierre et non Jacques? Et sur cette base, qu'est-ce qu'on attend de cette mission de délégation? En 5, il faudra accompagner, mais surtout communiquer, pas à la fin du processus de délégation. C'est-à-dire rapidement, si jamais il y a un challenge, c'est de corriger. Si jamais il y a des difficultés, c'est de communiquer. La communication dans ce processus est très importante, mais surtout soutenir non seulement la personne que nous avons déléguée, mais surtout soutenir cette personne dans ses difficultés. Et enfin, il faut évaluer la démarche. Si c'est une délégation, par exemple, d'un mois, peut-être après une semaine, faire le point avec la personne. Ça peut être par email, ça peut être au téléphone et tout, mais c'est un processus d'accompagnement. Chers leaders, nous sommes arrivés au terme de notre session sur la délégation efficace.
Je voudrais à présent partager avec vous ce proverbe africain. On peut tout déléguer dans la vie, sauf les responsabilités. En réalité, qu'est-ce que cela signifie? Que nous sommes amenés à déléguer. Mais cependant, s'il y a un échec, le responsable doit assumer et non la personne à qui nous avons délégué. Les leaders sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. Et s'ils ne progressent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas performants. C'est pour ça que je vous invite à passer de la motivation à l'action. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du magazine Carrière. Nous espérons que vous avez puisé dans les différents sujets que nous vous avons proposés les éléments nécessaires pour vous aider à construire votre carrière avec beaucoup de succès. Un merci particulier à toute notre équipe technique qui, durant cette année, n'a ménagé aucun effort avant de vous proposer à chaque fois un magazine riche et dense. Clin d'œil à nos stagiaires Cynthia Dunong et bien sûr Diana Detou qui travaillent avec nous au quotidien. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes vacances. Retrouvons-nous dans un mois pour un autre best-of de carrière. Ciao, bonsoir. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goûts forts. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite. Mm-hmm.